Yves-Marie, bonjour. Bonjour. En plus, il m'entend aujourd'hui, c'est génial. Je redis à ceux qui ne connaissent pas encore Yves-Marie qu'il accepte gentiment de nous faire une chronique de la royauté. Je vais l'appeler comme ça, parce que je trouve que ça va bien, mais on peut améliorer le titre, mais une chronique de la royauté. Il nous avait parlé des prétendants au trône la semaine dernière. Et on avait convenu qu'on parlerait d'un prétendant qui a disparu il y a une dizaine d'années de mémoire, peut-être un peu plus, qui était le comte de Paris, aussi appelé le prince Jean à l'époque, et dont Non, le petit-fils. oh. Non, non, c'est pas le prince Jean, il est mort en 99, donc ça fait plus de 10 ans. Il s'appelait Henri, c'est le grand-père. Henri, ouais, mais je ne suis pas assez féru de monarchie, puisque moi je le redis. Je suis pour la République et je n'ai aucun problème, mais je trouve très bien que nous donnions la parole aux partisans de la monarchie comme Yves-Marie. Donc c'était le comte, le prince Henri. Oui. Non, c'est-à-dire, Allez-y. si vous aviez un système capillaire un peu plus généreux, vous auriez pu être au courant de tout ça chez le coiffeur en lisant Point de vue Image du Monde. Mais ma mère était abonnée à Point de vue Image du Monde. J'adorais les photos à la fin où on voyait toutes les soirées parisiennes, il y avait des superbes femmes. Mais donc le prince Henri, et je voulais qu'on évoque plus sérieusement, et boutade mise à part, le rôle qu'il a eu, notamment ses relations avec le général de Gaulle, puisque en réalité, il a été, contrairement à ce qu'on croit, pas seulement relégué au XXe siècle dans les pages de Point de vue Image du Monde. Il a aussi eu un rôle politique ou aurait pu avoir un rôle politique. Et je voulais que Yves-Marie nous en parle parce que après notre interview la semaine dernière, on a eu pas mal de commentaires de « mais la royauté ne reviendra jamais », »,« mais comment pourrait-on faire pour revenir à la royauté ?» Et puis surtout pas un Orléans parce que ce sont des traîtres. Concrètement, en fait, de Gaulle aurait pu rétablir la monarchie en France au XXe siècle. Alors, je ne sais pas s'il aurait pu, et s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas, et probablement avec raison. Mais en tout cas, il l'a souhaité pour une raison très logique. De Gaulle reprochait à la République son régime d'assemblée qui rendait l'État vulnérable à toutes les factions, les partis. Il détestait ça. Il a vu la fragilité de la République, la Troisième République. Déjà pendant la Grande Guerre, puisqu'on a changé une quinzaine de fois à peu près de gouvernement pendant cette guerre qui avait duré 4 ans et demi. Et en fait, ce sont les poitrines françaises, ajoutées aux poitrines russes d'ailleurs, qui ont pu arrêter les Allemands. C'est pas vraiment le régime. Ensuite, il a vu en 40 la catastrophe, bien entendu, il en a été un témoin privilégié. Avec une impréparation, c'est drôle d'ailleurs, enfin c'est drôle, c'est pas drôle, mais cette espèce de malédiction de la République face à la guerre, quand on pense que l'actuel président veut envoyer 2000 hommes contre la Russie et qui sont sous-armés, enfin bref, donc on est toujours dans cette configuration-là. Et il a réfléchi, c'était pas un royaliste à l'origine, ses parents étaient royalistes. Lui était républicain, alors est-ce que c'était pour embêter ses parents? C'est pas impossible. Mais quand il était militaire, il pouvait se contenter d'être seulement républicain. À partir du moment où il est devenu de plus en plus un homme politique, il a réfléchi à ce problème institutionnel. Et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que l'Amérique avait résolu de transformer la France en une sorte de protectorat américain, avec même une monnaie, un dollar français, etc., et des gouverneurs américains dans tous les départements. Et donc lui, il a protesté contre ça, il a immédiatement envoyé de ses fidèles prendre possession des préfectures, etc., notamment Thierry d'Argentlieu, des gens comme ça. Et puis lui va tenir un discours dans cette Normandie dévastée par les bombardements anglo-américains, à Bayeux, où il va dire voilà ce qu'il faudrait à la France. Alors il ne parle pas de monarchie, mais il est partisan d'un régime présidentiel le plus fort, il est partisan d'un chef d'État. Or, la France n'avait plus de chef d'État depuis la chute de Napoléon III. C'était un régime effectivement d'assemblée.
Et il tient tout un discours qui, évidemment, inspirera la Constitution de 1958. Donc, à l'origine, je pense qu'il est plutôt barésien. Vous voyez, Maurice Barrès, c'était un romancier qui était célèbre avant la guerre de 14 et qui, lui aussi, en appelait à un président fort, un peu comme aux États-Unis, même si ce n'est pas tout à fait comparable. Mais avec le temps, effectivement, il s'est rangé à cette idée qui était celle de ses parents du retour au roi, la solution royale. Et le fait est que, bon, comme vous le savez, il arrive au pouvoir en 40 avec la libération, et en 46, il quitte le pouvoir en reprochant la République de redevenir ce qu'elle est, quoi. Et donc le régime des partis, etc. Il s'en va en imaginant qu'on va lui courir après, en disant « pitié, pitié, mon général ». Mais en politique, ça ne se passe jamais comme ça. Quand vous partez, le vide se remplit très vite, même si à l'ombre des grands chênes ne poussent que les petits glands, il n'empêche que le vide se remplit. Et puis, il va connaître cette traversée du désert qui va durer 12 ans, entre 46 et 58. Mais est-ce qu'on et peut… En tenant Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des relations du général de Gaulle avec le comte de Paris pendant la guerre, pendant la guerre 40-45, notamment lorsqu'il y a eu ce gouvernement d'Alger, où on dit que le général de Gaulle a essayé ou a joué, ou en tout cas a approché le comte de Paris pour lui proposer la couronne après la libération? Alors, ça, c'est un épisode un peu plus flou. Le comte de Paris, puisque là, je parlais que de Gaulle, le comte de Paris, il a cherché par tous les moyens à venir au pouvoir. Mais tous les moyens, c'est-à-dire qu'il a approché tout le monde, en réalité. Et c'est vrai que comme à l'époque, la famille royale était frappée d'une loi d'exil, les princes habitaient un peu partout, ils ont habité en Belgique notamment, mais ils avaient aussi une propriété au Maroc. Ils en avaient un peu partout. Ils en avaient une dans le sud, au Portugal, plutôt à côté de Lisbonne. Mais ils donc là, les Orléans à l'époque. Ils étaient très riches. Ils étaient très riches, contrairement aux Bourbons qui ont tout abandonné quand ils ont été chassés du trône. Charles X, il avait rien, quoi. Et les Orléans étaient très riches. Et puis, il faut expliquer la richesse des Orléans. C'est-à-dire que, comme ils ne régnaient pas, ils pouvaient être des personnes privées et accumuler une fortune personnelle. Tandis que les Bourbons, quand ils régnaient, tout ce qu'ils avaient appartenait en fait à l'État. Ils n'avaient rien en propre, quoi. Donc, quand les Bourbons sont tombés du trône en 1830, les Orléans, eux, ils étaient richissimes, ils le sont restés jusqu'à ce comte de Paris dont nous parlons, Henri, et qui a ruiné sa fortune. Alors, au moment disons, pendant la guerre, c'est vrai que il y a cette espèce de connivence entre le comte de Paris et de Gaulle, et qui va aboutir à l'assassinat de l'amiral Darlan, qui lui était, disons, on peut dire une créature de Pétain, puisque on en avait fait un amiral de la flotte, qui est un grade qui n'existait pas, une sorte d'équivalent d'un maréchal maritime, si vous voulez. Et le Darlan était un obstacle pour De Gaulle. Il y en aura un deuxième ensuite, Giraud, mais Darlan, c'était plus sérieux. Et donc, il a été assassiné par un royaliste. Pour que ce soit clair pour les gens qui ont... découvre pour beaucoup cet épisode, il a été question à un moment donné que Darlan se rallie à Alger, ou en tout cas à l'opposition à Vichy, et qu'il devienne une espèce de remplaçant possible de Gaulle dans la résistance. Ben là, il faisait barrage à De Gaulle, c'est sûr. La situation de De Gaulle était extrêmement fragile. Évidemment, comme il a gagné l'épreuve de force, on imagine que tout s'est passé facilement. C'est pas vrai. Il était l'otage des mouvements d'humeur de Churchill, et il était détesté par Roosevelt. Et à Alger, il n'était pas aimé du tout. Il n'avait pas de réputation à Alger. Alors certains même ont pensé qu'il a bradé l'Algérie pour se venger des pieds noirs. Bon, je ne pense pas que la politique se fasse comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que sa position était fragile. Et
Il y a un royaliste qui s'appelait Benoît de la Chapelle qui a assassiné Darlan en imaginant rendre service au comte de Paris. Et puis les choses ne se sont pas passées comme ça, mais c'est vrai que la complicité entre le comte de Paris et de Gaulle date de cette époque-là. Ça, c'est certain. Est-ce qu'à cette époque-là, il y a l'idée qui traîne, qui n'a pas prospéré, mais qui traîne, que Darlan éliminé, le comte de Paris pourrait s'imposer comme une figure alternative à Pétain, comme le leader de la résistance, notamment parce que de Gaulle, au fond, était très dépendant des Anglais, très dépendant des États-Unis, que les États-Unis ne voulaient pas de lui et qu'il lui cherchait une alternative. Alors, il est certain que quelques personnes y ont pensé comme cela. De là à parler d'un courant d'opinion, non, on peut pas dire les choses comme ça. La guerre, en plus, a été un moment de fracture entre les royalistes, parce que, disons, le chef de file des royalistes, alors, c'était pas le cas pour le comte de Paris qui avait essayé de prendre son indépendance de Maurras, mais le chef de file, c'était quand même Maurras. Et Maurras avait rallié Pétain, il avait même parlé d'une merveilleuse surprise, d'une divine surprise, non pas bien sûr la défaite comme ses ennemis l'ont prétendu, mais le fait que le grand vainqueur de Verdun soit appelé au pouvoir par la gauche d'ailleurs, par la chambre du Front Populaire, en 1940. Et donc Maurras avait choisi une ligne politique qui était en fait intenable. Il disait « Je rejette autant le clan des Ya que le clan des Yes ». Et il avait publié un livre qui s'appelait « La France seule ». Que de Gaulle a commenté plus tard, quand de Gaulle a gagné, disons, après la guerre, Maurras, comme vous le savez, a été condamné à la prison, il avait dit « Maurras a eu tellement raison qu'il en est devenu fou ». Parce que bien sûr que pour de Gaulle aussi, c'est un idéal de se passer et des Allemands et des Américains, sauf que là, c'était pas possible. Pratiquement, nous avions des alliés, c'était les Anglo-Saxons, et des occupants, c'était les Allemands. Donc, il fallait évidemment choisir le camp de nos alliés, quel qu'en soit le prix, car le prix a coûté cher. Énormément de civils sont morts des bombardements anglo-saxons. Mais c'était du réalisme, et Maurras, lui, était dans la théorie, et c'est ce qu'a fait dire à de Gaulle cette phrase très jolie, il a eu tellement raison qu'il est devenu fou. Voilà, donc, c'est très intéressant d'ailleurs qu'on reparle de Maurras et de Gaulle, puisqu'on a parlé d'une attirance ou d'une influence de Maurras sur de Gaulle, une attirance de Gaulle pour Maurras, ou une influence de Maurras sur de Gaulle, en tout cas. Maurras, c'est une figure intellectuelle qui a été un peu ghostée, comme on dirait aujourd'hui, mais qui a eu une très grande influence sur l'entre-deux-guerres notamment. Oui. Mais pour en revenir au comte de Paris, est-ce que à Alger notamment, de Gaulle rencontre le comte de Paris et qu'au fond, ils ont une relation politique entre eux? Écoutez, alors je suis plus philosophe qu'historien, hein. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas là qu'on est au croisement des routes, c'est pas à Alger qu'on est au croisement des routes, on sera au croisement des routes après, quand de Gaulle revient au pouvoir, et que là, pour le coup, de Gaulle a les moyens de faire quelque chose, mais il ne faut pas oublier que quand de Gaulle est le chef de la résistance, il y a une autre résistance qui est communiste, les FTP, qui ne lui obéit pas. Il est très encombré du Parti communiste, qui est très important, de sorte que quand il arrivera au pouvoir en 1944, il sera obligé de faire venir des ministres communistes au gouvernement ne serait-ce que pour les juguler, les endiguer. Donc on voit très mal, surtout à ce moment-là, la possibilité pour de Gaulle de jouer la carte monarchiste, enfin la carte du comte de Paris. C'est un peu plus tard que l'idée lui paraît, disons, moins difficile, quoi. Mais alors, c'est en quelle année? Un peu plus tard, ça nous met en quelle année? Alors, De Gaulle envoie en 1957, donc pendant l'été, en juillet, au moment du mariage du fils du comte de Paris, donc c'est-à-dire du père de l'actuel, hein,
qui s'appelait Henri lui aussi, qui épouse une duchesse de Württemberg. Alors évidemment, il se marie dans la bonne Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne occidentale, catholique, proche de nous, quoi, hein, et non pas dans la Prusse militariste et tout ça. En 57, la Prusse ayant d'ailleurs disparu, en 57, ce fils du comte de Paris, qu'on appelait le comte de Clermont, se marie. Et de Gaulle lui envoie une lettre assez incroyable de félicitations. Il n'est pas au pouvoir, on est en 57. Et il dit... écoutez, je me réjouis pour ce mariage et toutes ces conséquences qu'il peut avoir et qui comptent pour l'avenir de la France. C'est-à-dire qu'il fait entrer à ce moment-là la famille royale dans la perspective à venir de la France. Et de fait, le comte de Paris va être très fidèle à la politique de Gaulle, y compris en Algérie où il a perdu un fils. Qui est mort en Algérie. Et au début, le comte de Paris était très Algérie française. Et quand il voit De Gaulle changer de fusil d'épaule, eh bien, il suit De Gaulle. Et il dit, ben oui, c'est lui qui a raison, il faut abandonner l'Algérie française. Donc, il est vraiment dans la roue de De Gaulle. Et puis, donc là, je suis déjà allé trop vite, puisque De Gaulle, ça veut dire qu'il est revenu au pouvoir en 58, après le 13 mai, hein, la rébellion à Alger, de la population est relayée par l'armée. De Gaulle attend quelque temps quand même, il a beaucoup de choses à résoudre, bien sûr. Il tient un discours, le fameux discours d'Alger, dont on ne retient que la première phrase, « Je vous ai compris !» Mais, et donc on a dit « Il a trahi, etc. » Alors, il a dit, bien sûr, je vous ai compris, mais le discours, il continuait, il ne s'est pas arrêté là. Et il disait une chose qui est fausse, il disait, vous avez compris vous-même que l'important, c'était de donner des institutions à la France, il fallait commencer par le commencement, disait-il. Pas du tout. C'est la grande faiblesse du débat institutionnel. C'est De Gaulle, pendant toute la durée de sa traversée du désert, entre 46 et 58, à parler des institutions, c'est autrement dit, il reprenait son discours de Bayeux, tout le monde s'en fichait, comme aujourd'hui. Hein, les gens veulent savoir ce qu'ils vont manger demain. Bon. Et là, c'est uniquement les... Majoritairement, en tout cas. Oui, très majoritairement. Je suis d'ailleurs un peu payé pour le savoir, parce que j'ai un passé que je vous ai caché jusqu'à présent, de président d'un parti politique royaliste. Et donc, en 58, il arrive au pouvoir, non pas pour sauver les institutions, ou pour restaurer, ou pour donner à la République des institutions un peu bâtardes, monarchico-républicaines, mais simplement pour sauver l'Algérie, ce qu'il ne fera pas. Et en 1962, alors les réunions, les rencontres discrètes, mais véritables, se font entre lui et le comte de Paris. Pour une raison qui peut très bien se comprendre, le système politique que De Gaulle veut inaugurer, c'est évidemment un système monarchique, sauf qu'il est électif. La figure du chef de l'État que De Gaulle ressuscite, elle est unique en République. Elle est absolument unique. Pensez à cet échange entre Merkel et Hollande, et là on est vraiment au pays des nains. Hein, mais tout de même, ça reste le président de la République française. Hollande disant à Merkel, mais pourquoi tu fais pas ce que j'ai fait moi, etc. Et Merkel de lui répondre, mais je n'ai pas tes pouvoirs. Le président de la Ve République est l'homme probablement le plus puissant de ce point de vue-là, sur son propre pays, bien plus que le président, évidemment, des États-Unis, qui est une fédération. On ne va pas se s'égarer là-dedans. Donc, il, en fait, c'est un roi, ce qu'il veut mettre en place. Le problème, c'est que, après lui, il a été appelé par l'histoire, bon, le 18 juin, tout ce qu'on voudra, mais après lui, que se passera-t-il? Évidemment que le système des partis va revenir. Ce qu'il avait fait quitter le pouvoir en 1946, va recommencer. Et il s'est produit non seulement un retour du système des partis, mais si vous voulez, c'est comme une bille que vous lâchez en haut d'une côte. Au début, bah, elle a une vitesse modérée, et puis à mesure qu'elle descend la pente, c'est de plus en plus accéléré, et on en arrive à Emmanuel Macron. Vous voyez, entre Pompidou et Emmanuel Macron, il y a une sorte de pente,
Pompidou laisse entrer l'Angleterre dans l'Union européenne, etc., etc. Bon, il y a une sorte de pente et qui aboutit à Emmanuel Macron avec tout ce que nous savons et tout ce que nous ne savons pas encore, mais que nous découvrirons un jour, ce double mandat. Et donc, il se dit, pour consolider les institutions, cette figure du chef de l'État, je ne vois qu'une seule chose, c'est transformer la République en monarchie. Mais cette fois-ci, monarchie successive, pour ne pas dire héréditaire, parce que les juristes français n'aiment pas qu'on parle de monarchie héréditaire, puisque la couronne n'est pas un héritage des rois, elle ne leur appartient pas. Bref, donc en 1962, ça fait donc 4 ans qu'il est au pouvoir, De Gaulle dit au comte de Paris, écoutez, je ne me représenterai pas en 65, parce que c'était le septennat, d'ailleurs une invention monarchiste, mais on y viendra peut-être une autre fois, je vous encourage à faire le tour de France, dans l'intervalle, mais ça c'était pas De Gaulle qui l'avait fait. La 4ème République avait autorisé la famille royale à revenir en France, et donc elle s'était réinstallée, et le comte de Paris recevait énormément toutes les personnalités politiques imaginables, de droite et de gauche, et lui dit « je vous propose de vous présenter aux élections présidentielles au suffrage universel, puisque il instaure cela ». Et l'idée qu'avait le comte de Paris, mais de concert avec De Gaulle, c'est qu'il se fasse élire président de la République en 65, et au bout du septennat, il fasse un référendum en disant « est-ce que vous êtes satisfait de ma présence à la tête de l'État ? Est-ce que vous voulez revenir en monarchie ?» Voilà, ça c'était le projet. Alors évidemment, c'était un projet grandiose. Le problème, c'est que De Gaulle… qui n'a pas abouti pour une raison très simple. Qui possède l'école possède les esprits. Alors c'est surtout vrai pour la jeunesse, mais ça reste vrai d'une manière générale. Vous ne pouvez pas avoir inventé n'importe quoi comme calomnie sur la monarchie depuis 150 ans et puis tout à coup dire aux Français « Tiens, si on revenait en monarchie !» après leur avoir raconté la brioche de Marie-Antoinette, la serrure de Louis XVI, enfin, des choses, des âneries totalement fausses, évidemment, et que les gens mangeaient des racines et qu'ils avaient des maladies, enfin bref. Vous ne pouvez pas avoir raconté ça pendant 150 ans à l'école et puis tout à coup dire « tiens, si on revenait en monarchie, c'est pas possible ». Donc De Gaulle a bien vu quand même que jamais l'opinion ne marcherait. Et d'ailleurs, pensez à une chose, il décide de se présenter. C'est pas encore la totale désillusion pour le comte de Paris, parce qu'il se représente finalement, lui, De Gaulle, en 65. Enfin, n'oubliez pas qu'il gagne contre Mitterrand à 55% seulement. De Gaulle en personne, c'est-à-dire le grand personnage, etc., n'empêche qu'il a contre lui un homme de gauche qui a été d'ailleurs en plus de ça décoré de la Francis, qui était tout ce qu'on voudra afficher, et qui lui met 45% dans la vue quand même. Donc c'était pas si simple que ça. Et donc parce que les esprits encore une fois étaient bien trop empoisonné. Enfin, toute la prédiction de Louis XVI se réalisait depuis toujours. L'esprit visionnaire de Louis XVI se vérifie. Il avait dit quoi, Louis XVI ? C'était quoi la prévision de Louis XVI ? Il avait dit qu'on agitait devant les Français une chimère qui les remuerait sans cesse, pour reprendre son expression, et que tant que cette chimère existerait, rien ne serait possible. Et que le pacte était rompu entre les rois de France et le peuple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne fait pas tirer sur la foule, parce qu'il estime que sa monarchie, c'est pas un surhomme, c'est pas l'empereur du Japon, il descend pas de la déesse Amaterasu, hein. Donc il considère que le pacte de Reims est rompu, et par conséquent, il s'en va. D'ailleurs, son frère, le comte d'Artois, le futur Charles X, lui en fait le reproche, mais à jouer ce jeu-là, Louis XVI a tenu 3 ans, le comte d'Artois, enfin Charles X a tenu 3 jours. Hein, donc, je suppose qu'on y reviendra à ça. On y reviendra. Donc voilà. Alors donc De Gaulle se représente et en 66, donc il est réélu.
Il est mis en ballottage, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est là que l'un de ses conseillers lui dit « Mais non, mon général, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. » Oui, mais enfin, ça voulait quand même dire qu'au premier tour, il n'était pas choisi. Majoritairement, du moins en majorité absolue. Et puis en 66, il reçoit encore le comte de Paris. Et là, il lui dit « La restauration n'est pas possible. » Donc, je crois que c'est fichu. Et le comte de Paris, c'est une rupture dans son existence. Il fait d'ailleurs un accident cardiaque peu après cette entrevue. Et c'est à partir de là que commence la descente aux enfers, puisque c'était un homme très orgueilleux, extrêmement déçu de ne pas avoir réussi, malgré tous les atouts qui étaient les siens, et il va tout détruire. Il va détruire sa famille, sa fortune. J'ai un jour, je dînais seul à seul avec son fils, donc devenu le comte de Paris, son fils aîné, celui le fameux là, qui avait fait l'objet dont le mariage avait fait l'objet d'un message de félicitations plus qu'équivoque de la part de De Gaulle, et qui me disait, il nous disait, je suis le dernier des Capétiens. Voilà, donc. La descente aux enfers est arrivée, a commencé là, en 66, peu à peu. Bon, merci Yves-Marie de ces éclairages tout à fait passionnants, extrêmement importants. Ce que j'aimerais, c'est que du coup, parce qu'on ne peut évidemment pas tout évoquer en même temps, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait la semaine prochaine un numéro sur Maurras, sur l'action française qui existe encore aujourd'hui, même si elle a beaucoup moins d'influence qu'elle n'a pu en avoir, notamment dans les années 30, qu'on essaye de resituer la pensée de Maurras, puisque moi, c'est un personnage, je me fais régulièrement engueuler parce qu'il m'arrive de le citer, et notamment je me suis fait engueuler par Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qui m'a accusé d'être d'extrême droite parce que j'avais repris l'expression audacieuse de pays réel, pays illégal, pays réel. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on évoque la pensée de Maurras, oui. Et qu'on évoque son influence, parce qu'elle est un peu disparue. Et peut-être qu'à l'occasion, on cite Maurice Barrès, puisque en réalité, dans le duo intellectuel royaliste de l'époque que formaient Barrès et Maurras, même si les deux personnages étaient très différents, on a un peu oublié Barrès. Oui, mais Barrès n'est pas royaliste. Barrès est un républicain qui demande un chef d'État fort. Et De Gaulle n'est pas maurassien. L'action française, en plus ses parents, quoique royalistes, sont Dreyfusards. Non, De Gaulle n'est pas un maurassien. C'est un mythe, ça. Il n'y a pas besoin d'être maurassien pour être royaliste. Hein. Alors, Yves-Marie, je ne dis pas que De Gaulle était maurassien. En revanche, il y a eu une influence intellectuelle énorme de Maurras sur la droite de l'époque à laquelle appartenait De Gaulle, et sa vision de l'État, la vision gaullienne de l'État, a forcément reçu un certain nombre d'influences de Maurras, de Barrès à l'époque. On parle moins de Barrès aujourd'hui, et je trouve que c'est pas inutile de resituer la vision de l'État, du pouvoir, de la monarchie, qui était véhiculée dans la culture de droite, pour aller vite, de l'époque. Alors, à l'occasion de cette prochaine émission, donc, je pense que vous vous réconcilierez avec le patron de l'IFOP, mais vous augmenterez le nombre de vos ennemis du côté des maurassiens. Car je ne suis pas maurassien. Voilà. Bon, on fait comme ça, Yves-Marie. On fait comme ça. D'accord, à la semaine prochaine. Au revoir.